Je sais qu'un Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Acclamons la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent. Hier soir, pour le bagage que nous démontrons à travers passage, nous te voyons l'ordre. Un ordre auquel il ne laisse pas le choix. Parmi les mêmes détours, hier soir, le tapitre du message, la Bible, c'est un livre qui s'impose à nous. Mais la Bible, au problème, en pile que tu es, il chercher à porter la Bible à la manière de leur vie. Nous n'avons vivre de façon, et puis la falsifier les insécurités pour nous montrer que j'en ai bon. On lit fait sa Bible à dire. Le mot qui fait la toile de fond du texte, c'est le mot conformer. Dans le mot conformer, nous te dit, on voit le terme forme. Prendre la forme, c'est chercher à s'adapter. Chercher à s'adapter à la manière dont la chose se présente. Ou se prendre un aspect reconnaissable à la chose. Cela veut dire quoi? Que la Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. La Bible a dit, n'acceptez pas de recevoir la forme du siècle présent. Amen. Est-ce que l'Église avait? Conformer, c'est avoir une vie semblable à son idéal. Dès qu'il y a soi, ou mes autres idéal. Et idéal ou pas de l'autre monde que Jésus de Nazareth. Pas oublier, et moi ça a été qu'on utilise pour des personnes se conformant aux doctrines anglicanes. Et on peut connaître des conformistes. Pas oublier, bien aimé, de tous les soirs. En ce temps de la fin, Christ venait de me sa forme. Et Satan également veut nous donner sa forme. Il est quasiment impossible pour que forme nous donne ou pour que forme Jésus dans nous. C'est soit que forme nous donne ou bien que forme Jésus. Entrons en profondeur. Il y a soit des questions, une série de prédications à quatre façades. Premièrement, c'est. Première façade de prédication, c'est. Qu'est-ce que signifie se conformer au siècle présent? Deuxièmement, c'est la définition du siècle présent. Et troisièmement, c'est mode fonctionnement siècle présent. Et quatrièmement, c'est qui comportement les adultes adoptés à l'égard du siècle présent. Mais soit nous devons se conformer au siècle présent. Premièrement, de tout se conformer au siècle présent, c'est faire comme les païens. Chaque fois que tu fais choix de faire comme les païens, tu te conformes au siècle présent. Chaque fois les vagues qui dirigent les païens et que ces mêmes vagues te dirigent aussi, tu te conformes au siècle présent. Lorsque ceux qui sont à la page chez les païens sont à la page aussi chez toi, tu te conformes au siècle présent. Et dès tout ça, ma petite parole ça chaque soir, depuis cet esprit permet-moi. Depuis ces chrétiens, commencez à prendre tête pour descendre dans son bureau, passer pour façon habillée, passer pour façon comportée, ou pas différent de païens, ou pour qu'on fait bonjour Jésus. Et ma petite parole, ça chaque soir, je le répète encore, passer pour un chef de vivre dans son goût, passer pour habillement, passer pour façon parler, comportement, façon marcher, et pas différent de païens. Ou beaucoup de consécration. Et pas oublier, déterminer premier message à comme ça. Veux comme, même si par un rayon, même si vous dérangez, même s'il parle,
mais c'est pour le camper dans le bloc, pour tous ces gens qui convertissent. Il va faire mon nom. Il va appeler en haut. Mais pour me faire, il ne va pas lié. Deuxièmement, nous devons se conformer au secteur présent. C'est chercher à plaire aux hommes. Au lieu de plaire à Dieu. Mais en ce temps de la fin, de vous c'est vous nous avons cherché à faire plaisir, c'est quoi ça bien. Parce que bagaille l'homme aimé, pas bagaille, mon Dieu aimé. Bon Dieu bénit l'église. Et ça fait. Ça fait en tant que chrétien, c'est pour consécration, il faut devenir un élément dérangeant. Parce que dès tout ça, en ce temps de la fête, il y a un vrai chrétien qui est dans la consécration tout bon, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Donc je vais lire l'église. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Il y a des gens qui ne peuvent pas d'accord avec. Mais mes frères Maxime, en ce temps de la vie, il faut d'accord déranger les gens. Parce que quel moment pour rejeter mon Dieu, il faut d'accord déranger les gens. Est-ce que l'église avait pas été ici à même sérieux? En avance. Il y a cela nous va voir, premièrement, se conformer au siècle présent. C'est tout prendre sans le discernement. Et là, j'aimerais arrêter. C'est tout prendre. Sans le discernement. Bible, il y en a un que le Dieu de ce siècle a fait. Bible a dit, il aveugle les yeux. Ta vie dans le siècle, ça. En ce temps de la fin, quel que soit sa vie sur le tout, même elle semble à l'avantage, c'est pour discerner. Parce que il y en a un que le diable l'a fait. N'a fait moi dans ça. Il présente toutes sortes d'avantages. Et puis, parce qu'il connaît l'homme même avantage. Et puis, mais où tu as avantage, ou porter l'estomac. Et pourtant, avantage à son forme d'attaque. C'est moi pour le guerrier. Ça fait vie bien aimé. Même si on va être porté profit pour vous, c'est pour discerner. Discerner, cela signifie quoi? C'est pour capacité spirituelle. Pour distinguer le bien du mal. Le vrai du faux. Le bon du mauvais. Et ça fait, il y a une vraie idée de Pélagaï qui t'a forêt. Ce qui t'a forêt pour te réeler un homme comme berger. Premièrement, il faut passer à le discernement. Donc je vais nous dire ça. Et c'est discernement ça, qu'a fait le connaître, qui mangeait pour l'église à manger, qui glou pour l'église à manger. Ouais, et l'idée de sagesse. L'idée de sagesse, et c'est sagesse qui permet de régler tout bagaille, sans pas déranger la parole de Dieu. Mais je vais nous dire l'église. Bien aimé, en ce temps, alléluia, de la fée, on besoin de discerner tout bagaille. Ou besoin de discerner vos habillements en vos métiers. Ou besoin de discerner vos coiffures en vos bras. Bon Dieu bénit l'église. Parce que pas rien de tout ça hier soir. Objectif diable, c'est faire ensemble avec. Bon Dieu bénit l'église. C'est faire ensemble avec. Et ça quand après, chaque moment il vient avec un mode différent. Ou après longtemps. M'arrête-tête, qui ça m'arrête-tête, c'est ton mépris. Là, on met son mépris, c'est aux chrétiens. C'est peut-être marré au loup. Mais je dis, on va m'arrête-tête, la finie, t'as pour son mot. Mais je vais nous dire ça. Et on va dire, m'arrête-tête, choual. M'arrête-tête, bourrique. M'arrête-tête, cochon. Mais je vais nous dire ça. Je sais que tu m'arrêtes. Mais pas oublier, tout le monde qui a branché belle foule, à ce grand choix, m'arrêtes. Parfois, nous avons une église, nous avons regardé qu'il faut m'arrêter, c'est à l'air. Et puis, des messieurs, mais pour faire ça, m'arrêter ça. Mais pas oublier, plus de pendant, si c'est pour l'église à voilish. La bête, tu as vu l'église à voilish. Et maintenant, si nous avons une mission, cela, nous avons ce mécanisme de voile. Parce que voilà, il symbolise plusieurs bagailles. Il symbolise plusieurs bagailles. Bien aimé, à soi, moi je besoin que l'église ça, à fond l'évangile, tête souquée à la manière de la parole de Dieu. Que tout ça qu'a fait, il fait selon ce qu'il est écrit. Moi je bénis l'église ça. Le discernement, ou pas qu'à chrétien, ou pas tout bagaille sans discerner. Bien, nous devons discerner contre le travail là,
l'église avant d'accord persévérer là-dedans. Parce que dans ça la vie là, c'est pas tout côté de l'émission à l'éternel, mon Dieu là. Amen. Mon Dieu bénit l'église à riche. Faut discerner un pasteur avant d'accord lui venir mourir dans la bouche. Parce que pas qu'à ouais, mon Dieu, c'est pasteur, ouais. Si passé à Vatamoka, Vatamoto, si passé à Chanel ou qu'à Chanel, ça te messieurs, pas qu'il m'a dit dans ça. Et que messieurs, ça arrive dans ça, et là je le dis ça. À tout collaborateur, frère de grâce, sans l'air pour sauter. À depuis passé, ça a droit, des possibilités pour mes hommes de prière droit. Mais s'il va qu'à mon exact à Vatamo, s'il Chanel, il a qu'à Chanel, depuis frère de grâce, sans l'air pour le sauter, sans l'air pour le sauter. Parce que les violets, les dames, on va mettre dame. Les violets, t'es chargé, on va t'es chargé. Mais les violets, sanctifiés, on va obliger sanctifier. Les violets, droite, on va obliger droite. Est-ce qu'on t'a crié Alléluia? Alléluia! Zaké, semaine dernière, madame t'a prêché Bethany. Il y a deux servines qui ont été dit au serviteur. Avant de parler à l'église encore, dis non. Je dis au contraire, même on m'a demandé ça va faire là toujours. Bon, je vais nous dire ça. Je vais étonner de dire ça. Je dis ça va faire là toujours. Parce que on n'est pas qu'à dire pasteur, il marié, il a femme, il campe devant, non, il croit à l'église, en plein dimanche, puis tout, la pendant la présenter, il a dit nous, on fait l'exemple, le passage. Et puis il dit, lui, il n'a pas qu'à faire intérêt, parce que même madame, il n'a pas qu'à faire petit, il est débile. Et nous dit sous quel côté vient je moi. Parce que sous chrétien, on va calaguer la mort, bah va avoir cravate. Bon, je vais nous le dire. On dit là tout le voir. Je suis passé Isaac va avoir ou pas quoi là. Mais tout le temps, la volonté de Dieu, nous sommes soldats dans l'amour là. Là, là, bon, j'ai avoir l'église. Tout le temps, on a la parole. Tout le temps, Dieu publie la contre de son ministère. Il se sort là. La gamme, j'avoue l'église. Faut discerner. Il y a des frères Axelios. À ce temps de la fin, faut discerner le téléphone avant d'utiliser. Faut discerner WhatsApp là avant d'utiliser. Faut discerner Facebook là avant d'utiliser. Et nous sommes là à garder un jeu. Moi, je vais dire l'église. Parce que je dis, il y a un bagage que le diable a fait. Il mettait le monde là pour déplamer nous. Avec téléphone. Là. Et vous voyez téléphone là, en dimension, téléphone là, il y a tout l'autre bagage. Donc je vais nourrir l'église. Et éliminer-tu que nous allons de lui dans des grandes instances. Là, je vais prendre la définition du 5 présent. Là, je vais parler de 5 présent comme un système satanisé qui réjouit le monde présent. Et puis, je vais évoquer quelques systèmes, quelques éléments de ce système. Maintenant, je vais parler de système éliminatoire, ce système satanisé, système satanisé, tous les réseaux sociaux. C'est le divin à quoi ça place? C'est le divin à Facebook. Et maintenant, qui est objectif liminal? Notre objectif, c'est le contrôle. Pour contrôler la terre, contrôler ce tout. Mais je dis à chrétien tellement naïf. Manger sur Facebook, qui l'offre sur Facebook, Chipo sur Facebook, Vatli sur Facebook, Yael sur Facebook. Cela signifie quoi? Tendez, pour qui ça? Il m'a coupé à nous. Qui m'a l'évangile à comme là? Avant de consacrer, et puis sous profil WhatsApp, tu regardes qui là-dedans. Je dis à si l'église a fait 50 jours, ou t'es qu'à faire 50 têtes mola sur Facebook, ou t'es qu'à faire 50 têtes mola sur WhatsApp, ou t'es 150 amis sur WhatsApp là, ou à jamais prêcher un évangile. Comment chrétien va dire, ou la consécration, et puis moi tirer bouche sur Facebook là? Comment chrétien va dire, ou la consécration, et puis moi tirer derrière sur Facebook? Il a fait des photos, parce que bon, mon micro qui m'a fait du pilote, t'as vu? C'est pas équidoual. Cela signifie quoi? Banaliser vos vies sur Facebook. Banaliser vos vies sur Facebook. Vous n'êtes pas chrétien. Chrétiens. Et puis vous faites, pour qui ça me rate, ou bien dans cette salle-là, c'est pas rate ça qui
la photo profil. Pour qui ça? Mais qui ça conseille à dire? Semaine de consécration. Qui message vous mettez sous profil WhatsApp ou sous passe Facebook ou avec semaine de consécration? Ça résout de bien plus cher. Tout le monde va voir les photos, tout le monde va parler. Pas de problème pour voir 100,000 messages sur WhatsApp là par jour. Et puis jamais lire la Bible, jamais de trois chapitres. Même t'as un homme dur pour t'avoir commenté sur Facebook ou commenté sur WhatsApp, qui ça s'apporte dans la vie. Mais il y a un monde qui chita, qui maîtrise Genèse, qui maîtrise Apocalypse, qui maîtrise Nahum, qui maîtrise Michel. Dans mon frère différence. Et mes frères, sérieux, je tiens mes chrétiens qui est clair spirituellement. La paix mon Dieu le bizarre. Est-ce que tu vas utiliser WhatsApp là? Est-ce que tu vas utiliser Facebook là? Mais qui ça me dit pour faire? C'est pour discerner. Ça veut dire, même tout discerner, on chrétien qui n'a consécration, pas qu'à lever sa tête, vous qui commencez la journée. On chrétien n'a pas dit la consécration, pour sa WhatsApp, pas qu'à dire mon converti, ou la consécration, et puis vous levez le matin, vous avez des bagages ouverts, c'est le téléphone, vous pouvez demander, Zamia, qui est qui t'a gagné hier soir, ou c'est journaliste sportif. La Bible c'est un livre équilibré. Et ça fait nous aimer la Bible. Nous la commencer comme ça. Prenez trois mots dans la parole là. Moi-même, je dis au commencement, Dieu. Vous devez nous élever ça. Au commencement, Dieu. Ma même. Au commencement, Dieu. Au commencement de votre journée, Dieu. Au commencement de votre mariage, Dieu. Au commencement de votre business, Dieu. Au commencement de votre relation. Maintenant, en Genèse 1er, on parle de sa présence. En Genèse 1er, on parle de sa présence. Tandis qu'en Jean 1er, on parle de sa parole. Il a dit dans Jean 1er, on commence à être la parole. La parole était Dieu. Et il dit, rien n'a été créé sans elle. Ça veut dire que ça me dit, il y a un vrai chrétien qui n'a pas consécration. Tout le monde, il doit commencer à jouer dans la présence de Dieu avec la Bible. Amen. Acclamez la parole. Avec la Bible, amen. Pas avec le téléphone, amen. Pas avec le place spaghetti, amen. Pas avec une brosse, amen. Bon, je vais nourrir l'église, ça. Mes frères Michel, tu vas parler de brosse, amen. Non, ou qu'à commencer sans brosse, amen. Parce que le Saint-Esprit ne va pas.